À la fin des travaux ce vendredi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, les congressistes de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire ont pris des résolutions fermes. La plus forte, c'est de demeurer dans l'Alliance des Houphouëtistes, RHDP. Le Congrès décide de soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara dans le cadre du RHDP. Devant la presse, Albert Mabry-Touakus, le président du parti, a donné les raisons de ce choix. Chaque fois qu'il faut poser des actes qui consolident la paix, nous allons dans ce sens-là. Donc c'est la raison fondamentale. L'autre chose, c'est que la création du RHDP a donné de l'espoir à de nombreux Ivoiriens et de nombreuses Ivoiriennes. C'est d'ailleurs ce qui a permis que la mobilisation autour de la candidature du président Ouattara au deuxième tour de l'élection de 2010 n'ait pas posé du tout de difficultés. Pour le président de l'UDPCI, ce choix ne signifie pas que son parti n'est pas prêt pour diriger le pouvoir d'État. L'UDPCI prendra le temps qu'il faudra pour faire ses armes. Selon Albert Mabry-Touakus, l'heure est au développement du parti et à la construction de la cohésion entre les Ivoiriens.